Je suis même garçon qui voudrait savoir quel produit recommander à une patiente, une cliente qui souffre de fibromes et de myomes. C'est quoi le myome? C'est quoi les fibromes? C'est quoi les kystes? Madame est malade. Merci, merci beaucoup. Lorsque nous parlons de fibromes ou de kystes, en fait, ils ont un seul nom scientifique qu'on appelle les endométrioses. C'est-à-dire qu'au niveau de la paroi de notre utérus, par moments, ce sont des déchets qui sont déposés. Par moments, lorsque les hormones sont produites et que l'endomètre, la muqueuse de l'utérus doit être dégradée, elle est dégradée, mais elle n'est pas libérée. Donc, pendant que tu saignes au moment des règles, là, tu vas observer le saignement avec des boules de sang noir, des boules de sang noir. Ça veut dire que ce sang, lorsque la muqueuse s'est dégradée, les fragments-là ne sont pas complètement libérés. Et quand ils ne sont pas complètement libérés, ça fait des dépôts. Au fil du temps, ces dépôts-là forment des boules. Des boules de sang qui sont posées dans l'utérus. Quand ils sont tout petits, on va parler des myomes. On va parler des polypes, des tout petits. Après, il va grossir, il va devenir le myome. Après, il va encore bien grossir et devenir le fibrome. Quand il est un fibrome, il bouge aussi dans le ventre de la femme, comme le bébé qui bouge dans, à l'intérieur. Donc, la femme peut penser qu'elle est enceinte. Le ventre même va parler de polypes. Pourtant, elle n'est pas enceinte. Donc, si on pouvait retirer, observer, ils ne sont que des masses de sang. Et comme ce sont des masses de sang, ils sont formés pendant nos saignements. C'est pendant nos saignements que ces résidus-là sont déposés. Le facteur qui favorise leur formation, ce sont les hormones. Maintenant, au niveau chez d'autres personnes, ces boules de sang se sont formées sur la paroi de l'utérus. Chez d'autres personnes, elles sont formées en dessous de l'endomètre, c'est-à-dire entre l'endomètre et le myomètre. Parce que le muscle de l'utérus a deux couches. Il y a une couche qui est à la surface où l'enfant doit se fixer et il y a une autre couche qui est en dessous. Par moment, quand l'endomètre là s'est fragmenté, au lieu que le sang s'écoule, il reste là ici, il coagule sur place, il coagule sur place, va donc pousser la muqueuse de l'utérus. Là, quand on va faire le test, on va parler de myome ou de fibrome. On va dire qu'il est sous muqueuse. Quand on dit sous muqueuse, ça veut dire qu'il est sous la muqueuse utérine. Quand il est sous la muqueuse utérine, il va pousser et pour utiliser nos produits et l'éliminer, ça va prendre beaucoup de temps. Lorsqu'il est sur la muqueuse, la fragmentation est rapide et il est éliminé par les saignements. Donc, celui qui a les fibromes, il doit faire l'échographie pour se rassurer si le fibrome là est sous muqueuse ou bien s'il est posé sur la muqueuse. S'il est posé sur la muqueuse, le nombre de myomes sera défini. Si c'est le fibrome, la taille sera définie. Ce qui fait que l'inconvénient qu'il y a avec nous, c'est que on engage les traitements sans déterminer la taille du fibrome ou sans déterminer la taille du myome. Et les produits sont là pour résoudre le problème, mais la personne va te dire, je n'ai pas de résultat. Or, s'il y avait une taille de départ, au bout de 2 mois ou 3 mois de traitement, on devrait avoir une taille d'arrivée et savoir si l'évolution est là ou pas. Si on peut commencer par l'échographie et arriver à nos produits, c'est bien. Mais si tu ne peux pas commencer par l'échographie et arriver à nos produits, tu dois déjà savoir qu'avec nos produits, si tu persistes dans le traitement, le résultat est là. Ce qui veut dire que c'est maintenant toi qui dois définir si tu vas résoudre par nos produits ou pas. Dans la plupart du temps, quand j'ai les cas de fibrome ou les cas de myome ou les cas de kyste, parce que c'est ce fibrome-là, quand il a trop duré, il devient kyste. Quand il a trop duré, il devient kyste. Ça veut dire que quoi? Il a apprêté une paroi. Quand il devient kyste, ça veut dire qu'il a formé une paroi qui lui permet de résister aux produits chimiques que tu vas administrer. Donc, quand tu consommes les produits chimiques là, la paroi là fait que le myome là ou le fibrome là qui est à l'intérieur, lui, il ne reçoit pas l'effet du médicament. Donc, généralement, je demande aux gens de prendre le
Tchekhov, le café 73, la spiruline. Il consomme d'abord ça pendant 30 jours non-stop. Là, c'est pour essayer parce que lorsque la spiruline est combinée au ganoderma, ça régularise la production d'hormones. Parce que c'est les hormones qui favorisent la formation, ce sont les hormones qui favorisent sa destruction. Donc, quand je combine Tchekhov, spiruline, café 73, 30 jours non-stop, et après maintenant, je mets la consommation normale du pack santé. Pendant 3 mois de traitement, avant que je passe au pack côté, dans le traitement de myome, fibrome, kyste. Parce que dans certains cas, j'ai constaté que quand je lance directement le splina, le myome la consomme, puisque le myome aime les globules rouges. Il consomme, les globules rouges le renouvellent, le myome absorbe et prend le volume. Mais l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, il est inoffensif. Même s'il a pris du volume, il devient inoffensif. Il ne peut plus se mettre dans l'anémie et autres. Et par la suite, il va se dégrader. Et pour certains, quand je les ai mis sur café 73, Tchekhov et spiruline, pendant 30 jours, parce qu'il y en a, quand ils ont les fibromes et les myomes là, ils sentent que le bas ventre pesé. Donc pendant ces 30 jours de traitement, il va déjà te dire, son bas ventre ne pèse plus, il a saigné en boule et c'est déjà fluide. Donc moi j'ai adopté pour cette consommation de Tchekhov, café 73, spiruline, 30 jours avant d'introduire la consommation du pack santé. Merci. Merci, Madame Emmanuelle. Merci. Est-ce que Madame Pamraïsa en ajoute? Merci, Madame Emmanuelle, pour tout ce détail qui est très, très éclairé. Pour ce qui est de la prescription avec laquelle j'ai eu de bons résultats, à côté du pack qu'elle a donné pour la détox, parce que je l'appelle pack détox, hein, je recommande généralement le spina, le Tchekhov, le café Red Yeast qui nettoie très bien l'utérus. Pour éviter que le sang ne se coagule et reste dans l'utérus, j'encourage toutes les femmes qui ont leur menstrue à toujours consommer le Red Yeast pendant qu'ils sont en leur période. Au moins 2 sachets par jour. Ça va nous aider à prévenir cela. Donc avec cette combinaison, j'ai toujours eu de grands résultats. Des personnes qui ont filmé, ils étaient émerveillés et qui ont trouvé totale satisfaction. Elle manque à les produits qu'il nous faut. Merci, merci vraiment pour cet élément d'éclaircissement. J'espère que votre cliente sera satisfaite, mais seulement la personne doit être patiente parce que dans ce qu'elle a dit, j'ai suivi, il fallait 30 jours de détox, ça veut dire que c'est 1 mois déjà. Donc il va également falloir préparer un budget pour son traitement. Parce que s'il fallait qu'on parle de chimiothérapie ici, l'argent de la chimio allait déjà être sur place parce qu'il doit se faire sans interruption. Dans le traitement également, comme elle a dit, c'est une détox de 30 jours. Vous devez vous assurer d'avoir déjà les produits de 30 jours pour qu'il n'y ait pas d'excuses afin de, comment on dit, on dit au quartier également, gâter son traitement. Donc nous allons continuer avec la prochaine question. S'il y a une autre question,